Bonjour à vous. Alors, je vais vous montrer comment on fait une cabane sans ficelle avec deux arbres. Un gros comme celui-là et puis celui qui est ici. Et l'idée, ça va être de trouver un arbre penché. Et puis, il faut trouver un bon bout de bois, de la bonne longueur. Il faut en casser plusieurs. Et il va être autobloqué, comme ça. Vous le mettez, je vais mettre de l'autre côté. Vous l'appuyez contre, comme ça. Et comme celui-là, il est penché, et bien au bout d'un moment, ça va se bloquer. Fait comme ça. Je le fais assez bas pour que vous puissiez voir, mais ça pourrait être plus haut. Je tape comme ça. Voilà, et là, j'ai quelque chose qui bloque. Alors déjà là, j'ai tout simplement un porte-manteau. Avec les enfants, au lieu de mettre les manteaux par terre ou après les branches qui plient, on met une branche comme ça et on va aligner ses porte-manteaux. Donc il faut bien qu'il y ait un arbre qui penche pour que ça soit autobloquant. Et puis après, ben, vous trouvez des branches sèches, j'en ai récupéré quelques-unes, que vous mettez pour faire votre cabane. Vous voyez, sans ficelle, on peut en mettre dans ce sens-là aussi. Donc voilà un début de cabane. On peut là se mettre dedans, à imaginer, il faut rajouter plus de branches. Et là j'ai déjà une petite cabane où pour dormir, on aligne beaucoup plus de branches. Alors vous allez me dire, c'est pas étanche. C'est déjà pour se protéger du froid ou du vent. Pour rendre étanche, ça serait plus compliqué. Soit il faut trouver des grandes écorces, genre écorce de bouleau, ou faire des petits fagots d'herbe comme ça, qu'on va accrocher, mais là ça prendrait beaucoup de temps. Et ça serait long pour que la pluie glisse le long comme ça, en ficelant avec une petite herbe ici. Ça, c'est beaucoup plus fastidieux. Mais déjà là, avec notre branche entre les deux arbres, un qui penche, donc ça devient autobloquant. Il faut trouver la bonne taille, des fois il faut recasser. Les petites branches, on en trouve plusieurs. Et en quelques instants, on a déjà une cabane. Et bien maintenant, à vous de jouer.